je lance le film et voilà. Donc, bonjour à tout le monde, comme je disais. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est regarder un nouveau chapitre qui seront les boucles et les conditions. Les boucles et conditions qui vont nous permettre eh bien, d'exécuter du code de manière répétée. En fait, jusqu'à maintenant, notre code, ce qu'il a fait, c'est être exécuté en séquence. Ça, c'est toujours le cas. Le code, il va s'exécuter du haut vers le bas en faisant une instruction après. Donc, on va toujours dans notre code commencer dans le main, là où se trouve le public static void main, et puis on va descendre petit à petit. Et puis on va voir aujourd'hui qu'il est possible de répéter certains bouts du code, de faire aussi des virages dans notre code en choisissant un chemin plutôt qu'un autre avec les conditions. Et ça, ça va nous permettre de commencer à programmer vraiment. Donc ça s'appelle les changements du flux séquentiel, dans lesquels on va avoir d'une part l'exécution conditionnelle avec les instructions if, if else et switch, et puis les répétitions code où on va avoir différentes choses comme le while, le do et le for. Au passage, ce matin, vous avez eu la possibilité de rendre la série d'exercices. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours la déposer ici pendant la pause. Et puis, j'ai également une information au sujet de l'examen. L'examen va avoir lieu le 11 novembre, le mercredi 11 novembre. Donc pour vous, ça va se passer à 8 heures, comme d'habitude. Oui. C'est un jeudi le 11. C'est vrai, alors c'est le 10. Pardon. C'est le 10 novembre. Oui, c'est le 10 novembre, effectivement. Merci beaucoup. Donc ce sera à 8h15. Je vous confirmerai encore la salle. Je vais essayer de trouver une salle un peu plus grande pour que ce soit plus confortable pour vous d'avoir un peu de place pour pouvoir écrire. Mais ce sera à 8h15. On va faire l'examen. Et puis, comme j'ai l'examen ensuite avec la classe germanophone et l'autre classe francophone, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un changement volant au milieu, c'est-à-dire que vous allez devoir rester dans la salle tant que tout qu'on n'a pas terminé, malheureusement. Et puis ensuite, eh bien, l'autre examen va commencer entre deux sans que vous ayez la possibilité de rencontrer vos collègues au milieu, vu que ce sera le même examen. Donc, je pense que vous avez déjà eu cette instruction. Ou bien pas, on vous a déjà expliqué ça? Ces examens où on change au milieu? Pas vraiment, ok, c'est pas grave. Donc ça a deux conséquences. La première des conséquences, c'est qu'on ne va pas avoir la possibilité d'avoir plus de temps pendant l'examen, sauf pour les personnes qui ont besoin de plus de temps. Ça, il n'y a aucun souci, on va s'organiser. Mais vous allez aussi devoir rester jusqu'à la fin de l'examen, même si vous avez terminé. En règle générale, ça ne se pose pas tellement ce problème d'avoir terminé avant, donc ça devrait aller. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet-là? Donc c'est la semaine après les vacances. La semaine avant les vacances, on va refaire un ancien examen ensemble en classe. Et puis, je vous informe aussi que les 28 et 29, je ne serai malheureusement pas ici. Je dois m'absenter pour aller à une conférence où je présente un papier. Du coup, je ne pourrai malheureusement pas être là, mais vous serez au bon soin d'un de mes assistants qui prendra en charge. Ce sera la séance de révision et puis on va un appel. D'accord ? D'autres questions? Vous avez quelque chose à ce sujet-là? On aura l'occasion d'en reparler aussi l'examen, mais volontiers, M. Dorsa. Vous dites la séance d'avant, mais la séance d'avant, c'est la semaine de révision. Ce sera la semaine avant la semaine de révision. Enfin, la semaine de révision, c'est une semaine de congé, en fait. Ils appellent ça une semaine de révision, mais c'est une semaine de... En tout cas, vous n'avez pas de cours, on va être comme ça. C'est le 27, plutôt le 27 octobre, du coup. Pardon? Ce serait plutôt le 27 octobre, du coup, pour faire l'examen. Oui, exactement. 27-28. Voilà. Donc, je vous propose de regarder un petit peu cette exécution conditionnelle. Je vais vous donner les slides de tout à l'heure. Je vais vous commencer avec cette explication. Donc, le code, il s'exécute généralement du haut vers le bas. On peut faire des choses comme avec ça qui ressemblent à des calculatrices. On a vu les exercices pendant le labo, notamment pendant la série d'exercices. Vous avez vu, on peut faire des expressions mathématiques compliquées très rapidement. Mais il faut pouvoir faire plus. Alors, pourquoi il faut pouvoir faire plus? Imaginez que je vous pose cette question-là. Bon, comme on fait la moyenne de trois éléments, et on fait le premier élément, puis le deuxième, puis le troisième, on divise tout par trois, c'est ce qui est écrit là. Et puis avec 300 000 éléments, c'est la même chose. Simplement, on aura 3 millions d'éléments, pardon. On va faire la même chose, A1, plus A2, plus A3, blablabla, jusqu'à A, à la position 3 millions. Et puis on va diviser tout par 3 millions.
Donc il faut pouvoir être capable de répéter les opérations. Et cette répétition, bien, elle se fait à l'aide de boucles. Ça, c'est pour la répétition du code. Maintenant, on doit aussi pouvoir prendre des décisions dans le code. Est-ce qu'on fait quelque chose ou bien pas? Regardez cette équation du deuxième degré qui est en dessous. Système d'équations que vous connaissez bien et que vous savez résoudre. Donc on a un polynôme du deuxième degré, ax² plus bx plus c, et puis ben ça, ça se résout comment? Normalement, il devrait y avoir une forêt de main levée qui nous dit immédiatement comment on fait ça. En tout cas, vous le savez tous, j'en suis certain, vous avez déjà vu ça. Quel est le principe? Monsieur Landry, quel est le principe pour faire ça? De choper les deux limites de la valeur de la factorisation. Prendre les deux limites de la valeur de la factorisation. C'est-à-dire qu'on a le discriminant qui est du point positif et du point négatif. Oui, tout à fait. On va calculer quelque chose qui s'appelle le discriminant, qui est le delta qui est donné ici en bas, qui se calcule avec b carré moins 4ac, b étant le facteur qui se trouve devant la variable qui est la puissance 1, et puis moins 4ac, a et c, c'est les facteurs de x carré et l'éventuelle constante. Puis avec ça, on a deux solutions en fait, deux types de solutions possibles, même trois types de solutions possibles. On a le cas, si le discriminant est positif, et puis on a quoi d'autre comme cas? Oui? Oui. Et qu'est-ce qu'on a dans quel cas ici? Si on regarde les équations qui sont là. Oui, ici on a cette grosse accolade qui nous dit eh bien, quelque chose. Si le discriminant est positif, on a laquelle des deux solutions qui est là? Celle du dessus, oui. Donc si delta est plus grand que 0, puis dans l'autre cas. Si delta est égal à 0. Puis si c'est négatif, il n'y a pas de solution. Okay? Donc on doit pouvoir, même si on sait faire un calcul, on pourrait calculer un discriminant avec ce qu'on a vu, il faut qu'on soit quand même capable de dire si c'est positif ou si c'est égal à 0. Et ça, c'est l'idée des branchements ou des conditions. Alors, on va... Oui? Oui, ça arrive maintenant. Volontiers. En général, je ne donne pas tout de suite au début, je donne juste une petite explication, puis après je donne les slides. Alors, on va commencer par la partie d'en bas, par les branchements. Ces branchements, on les voit comme ça. C'est réalisé à l'aide d'une instruction particulière qui introduit un nouveau mot-clé, if, ici. If, en anglais, ça signifie si. Donc voilà, il n'y a pas de surprise ici. If. Alors, ça permet de décider si un bloc est exécuté ou bien pas. Alors, de nouveau, on retrouve la notion de bloc. Le bloc, c'est ce qui est introduit par des accolades et qui se termine par une accolade. Et on doit, pour un if, mettre dans une parenthèse qui se trouve ici, une expression. If l'expression est vraie, alors on exécute le bloc qui se trouve dans les accolades qui suivent, donc ici le bloc qui est en bleu. Alors ça, c'est la syntaxe qui est donnée pour écrire du code Java. Et à droite, vous retrouvez ce qu'on appelle un diagramme syntaxique qui nous permet de comprendre ce qui se passe au niveau du flux du programme, si vous voulez. On a ici notre code qui arrive depuis le haut, donc on a toujours notre code qui va arriver depuis le haut. Et puis, on va avoir une expression ici, extra. Et puis, si cette expression est vraie, alors on exécute le bloc bleu. Autrement, eh bien, on continue tout droit sans exécuter le bloc bleu. Donc c'est juste un petit branchement qui nous permet de faire quelque chose. Je fais peut-être un exemple avec Eclipse. Voilà. Donc, if...
travers Ostio. Donc là, on a à la ligne 11 une expression, booléenne, qui doit s'évaluer à true ou false. Et puis, cette expression, c'est val égale égale true. Donc, que vaut val à la ligne 9? Eh bien, val, c'est une valeur booléenne qui correspond à l'expression 3 plus grand que 5. Donc, est-ce que 3 est plus grand que 5? Non. Donc, en fait, dans val, on va avoir false. Donc, le bloc qui est ouvert à la ligne 11, qui se termine à la ligne 13, ne sera pas exécuté. Si je lance maintenant mon code, eh bien, rien ne s'affiche sur la console. Si par contre, ici, j'ai une autre expression qui, elle, sera vraie, alors là, je vais vous montrer un exemple avec une expression qui a un égal égal dedans, mais je peux très bien écrire quelque chose comme ça. 3 plus petit que 5, en enlevant la variable là. Ici, on a une expression, au sens des expressions qu'on a vues la semaine passée. Donc, n'importe quoi qui s'évalue à une valeur booléenne. Eh bien, si j'exécute ce code, on pourrait ici mettre quelque chose d'un peu correct. Condition was true. Et là, ben voilà, la condition était vraie. Donc là, j'ai mis 3 plus petit que 5. 3 plus petit que 5, c'est une expression qui s'évalue à ou vrai ou faux. Donc, je peux la mettre directement à l'intérieur. Je peux ici complexifier un peu les choses ou rendre les choses un peu plus claires. Ça dépend un peu comment on voit ça. Si ça, c'est vrai, alors j'exécute le bloc. Si ça, par exemple, c'est quelque chose de plus compliqué. Si ce qui est à gauche est égal à non ce qui est à droite. Alors, ça, voilà un exemple d'expression complète. Est-ce que ça, ça va s'exécuter ou bien pas, le bloc à l'intérieur? Qui dit oui? Levez la main. 5, 6, 7, 8, 9. Les autres disent non? Ou les autres sont encore un petit peu dans les brumes matinales? Monsieur Torrent, vous avez une idée ou pas du tout? C'est quelque chose qui vous pose un problème, là? Le point d'exclamation, oui. Le point d'exclamation, quelqu'un pour rappeler à Monsieur Torrent ce que c'est le point d'exclamation? Oui, Monsieur Coppet. C'est l'inverse. C'est l'inverse, ça inverse une condition booléenne. Hein. Donc si on a une condition booléenne dans la parenthèse qui s'évalue à true, bah, ça va faire not true, ça va donner false. Ok. Okay. Donc là, ce qui est à gauche de la, ce qui est à gauche du égal égal, ça vaut true ou false? False. Ce qui est à droite, ça vaut false aussi. Donc false égale false. Donc ça s'exécute. Ceux qui ont dit que ça s'exécutait avaient raison. Ça joue comme ça? Après, on va voir, on va pouvoir regarder ça plus en détail. Mais l'idée, c'est ça. On peut bien sûr complémenter ce if avec un else. Else, ça veut dire sinon. Ça représente l'alternative. Donc, si l'expression est vraie, on exécute le bleu comme avant, et sinon, on exécute le bloc rouge. Donc là, on peut vraiment choisir deux branches dans notre code. C'est ce qui est exprimé sur le diagramme syntaxique qui est à droite là. X true ou X false. Je ne sais pas pourquoi je gigote comme ça à l'écran, c'est un peu bizarre. Mais peu importe. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise non plus. On fait l'un ou l'autre. On peut également imbriquer ces ifs les uns dans les autres, donc on peut mettre des ifs dans des ifs. Là, la notion du bloc, elle est très 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 importante, c'est pour ça qu'il faut inventer son code correctement, puis le faire de manière à ce que ce soit lisible, parce que bien là, vous voyez, on a des ifs imbriqués, on a un premier niveau ici, un deuxième là, un troisième là, avec un else qui est ici, et puis eh bien, le bloc qui se trouve là, ici, il est exécuté quand, en fait, si vous deviez donner des conditions sur X1, 2 et 3. Oui? Si l'expression if elle est vraie, l'expression 2 aussi. Oui. L'expression 3 elle est fausse. Oui, il faut que X1 et X2 soient vrais et X3 soit faux. Si on fait encore cet exercice-là, quand est-ce qu'est exécuté ce bloc-là? Oui. Si l'expression 2 est false. Si l'expression 2 est false, vous regardez bien. Expression if.
Si l'expression 1 est false. Non, en fait, c'est si l'expression 1 est vraie que ça s'exécute. Regardez, le bloc qui est ici, en fait, il est exécuté si l'expression 1 est vraie. D'accord? Donc tout ça, ça va être exécuté si l'expression 1 est vraie. Ça aussi. Peu importe quelles sont les valeurs de x2 et x3. Ça joue? Et c'est pour ça que c'est important de bien avoir en tête ce que sont les blocs et ce qu'ils font. Et puis, vous voyez, si on les aligne, eh bien, c'est plus facile à lire le code puis à voir où on en est dans les expressions. C'est pour ça qu'on indente le code, hein, entre autres, pour que ce soit plus lisible. Voilà un petit exercice. Quelle est mon intention lorsque j'écris ça? C'est quoi 3? Vous avez une idée? Si la température est de type 0, il y a le premier qui va s'exécuter. Oui. Si elle est comprise entre 0 et 15, c'est la deuxième. Oui. C'est juste. Là, vous avez décrit ce qui est écrit dans le code en français. C'est tout à fait juste. Maintenant, quelle est mon intention quand je fais ce programme? Pourquoi j'écris un tel programme, d'après vous? Dans quel contexte je pourrais écrire un programme comme ça? Vous, d'ailleurs. Gestion de température. Ouais, gestion de température, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bon, au lieu de mettre porter un pull ou un truc comme ça, c'est pas dans un frigo, je vais vérifier que ce soit la bonne température. Ouais, on pourrait faire ça. Ça peut aussi être simplement un système qui vous aide à choisir les habits que vous voulez le matin. Imaginez, vous avez une sonde de température à quelque part, et puis cette température, qui est la vraie température, elle va dans la variable temp, par un moyen qu'on ignore pour l'instant. Puis dans cette variable temp, eh bien, vous avez la température actuelle de l'extérieur, par exemple, et puis ça peut être un système qui vous propose, vous avez ça sur le côté de votre armoire, qui vous dit, ben, ce matin, mettez plutôt un pull, plutôt ça, ou plutôt ci, quoi. C'est une possibilité qu'on peut avoir. Donc s'il fait très froid, ça va nous écrire, attention, il fait froid, entre 0 et 15, ça va nous dire... Voilà, mettez peut-être un pull à vert, et puis sinon, ça nous dit qu'il fait chaud. Donc, ça peut être un système qui nous propose des habits. Si on dessine juste le diagramme syntaxique de ça, on va avoir la chose suivante. Une première décision, est-ce que temp est plus petit que 0? Si c'est vrai, eh bien, ça va afficher warning. Autrement, eh bien, on va prendre une deuxième décision. Juste écrire pullover là. Voilà comment on représente sous forme de diagramme syntaxique ce code qui est là-haut. Et ensuite, dans tous les cas, on va se retrouver au même endroit à la fin du code. C'est pas très élégant, je suis désolé, mais je le fais pas au tableau parce que sinon c'est plus difficile à lire pour la vidéo. Oui. Dans le cas du MZIF, oui. Est-ce qu'on est obligé de mettre température plus grande que 0? Dans ce cas-là? Oui. Dans le cas-là, non, on serait pas obligé. Parce qu'en fait, le premier cas a déjà couvert les négatifs. Okay. Là, c'est juste par souci de clarté qu'on le fait comme ça, sans, on voit mieux. Mais on ne serait pas obligé, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Oui? Ce serait pas une boucle. On va pas faire une boucle là où on reviendrait en haut. Ouais. Donc,
qu'à chaque fois une analyse. Non. Là, il n'y a pas de boucle qui fait ça. Peut-être qu'ailleurs, il y a une boucle qui va faire ça, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Le if, ici, il fait vraiment que du haut vers le bas, on ne va pas remonter. Bien sûr, on va avoir des exemples où on va vouloir répéter ça un certain nombre de fois, ou tant que quelque chose est vrai. Mais pour l'instant, on n'a pas cette boucle. Okay? Alors, j'ai un exemple ici de if simple, un tout petit peu plus complexe que qu'on a vu. Et ma question est la même que tout à l'heure. Vous avez ici un main qui commence à la ligne 5 et je vous demande d'analyser ce programme-là et de me donner, à partir de ce programme-là, eh bien, à quoi sert ce programme? Où est-ce qu'on peut trouver un tel programme ou pourquoi on a écrit un tel programme? Oups. Désolé. Vous avez une idée, Monsieur Ribeiro, vous avez une idée déjà? Ouais. On va juste encore attendre un tout petit peu que tout le monde ait tout compris dans ce qui se passait dans le programme. Parce qu'il y a quelqu'un qui a un souci avec ce qui est écrit là-dedans, quelque chose qui n'est pas compris. Oui. Oui, voilà, Maria, VAT, je ne sais pas, quoi c'est. Oui, VAT. Qu'est-ce que c'est VAT? Oui. La TVA. C'est la TVA, Value Added Tax. Ça aide à comprendre le contexte. Hein. Sans ça, c'est plus difficile. Ouais. C'est juste, hein. C'était une bonne question que vous avez posée. Merci. Que quelqu'un d'autre a un souci, donc, ou quoi? Donc tout le monde est capable de me dire ce que fait ce programme. Donc, Madame Zanou, qu'est-ce que ça, dans quel contexte j'ai écrit ce programme d'après vous? Dans un magasin, par exemple. Oui. Si j'ai bien compris au départ, la TVA est 7,7. Oui. Et si on a un produit alimentaire, ça vaut 2,5. Oui. Et du coup, ça calcule le prix total à la fin. Oui, exactement. Parfait, merci infiniment. C'est tout à fait juste. Donc on a ici une variable, food product, qui va stocker le fait qu'un produit est un produit alimentaire ou pas. Alors bien sûr, c'est un exemple ça. Hein. Ce food product, le fait que ce soit vrai ou faux, il manque quelque chose. Il manque un scanner de code barre qui va faire un lien avec une base de données qui nous dit si le produit est alimentaire ou pas. Mais peu importe, hein. Là l'idée elle est quand même là. On a cette variable qui nous dit, voilà, est-ce que ce produit en question est un produit alimentaire ou pas. En fonction de ça, on va choisir la TVA à appliquer en affichant sur la console ben, quel est ce taux de TVA choisi. Et puis ben, là, pour un prix initial qui est donné là, de nouveau, il faut aller chercher ça dans une base de données normalement, mais l'exemple vaut quand même. On va calculer le prix total qui sera le prix initial plus sa TVA et on va afficher ça sur la console. Donc là, on a une TVA de 2,5%. Donc on va avoir un prix de 581,38 francs pour ce produit qui est là. Et si on change ici le fait que ce soit un produit que ce soit pas un produit alimentaire, eh bien on va avoir un autre prix final. Donc ça c'est typiquement un bout de software qui va se retrouver dans une caisse enregistreuse. Vous allez tous et toutes au Coop Pronto acheter des choses et vous allez vous passer les produits. Et bien, en fonction du produit, la TVA va pas être la même.
ce que fait le code barre, en fait, il lit le numéro d'identification du produit. C'est ce qu'il y a sur le code barre. Après, ce code barre-là, il fait correspondre au produit un prix brut. Et puis, la TVA va être calculée à part. Donc, vous calculez à part la TVA. Et puis, ça va afficher le montant que vous allez devoir payer. OK ? Donc, ça, c'est déjà un vrai programme qui existe. Hein. Un tel soft tourne vraiment dans les caisses enregistreuses. En tout cas, une forme de ce programme-là va tourner quelque part, simplement avec un if. Petite remarque au passage, s'il y a une seule instruction dans le if, si dans le bloc d'instruction que vous voulez exécuter, il y a une et une seule instruction, vous pouvez omettre les accolades. Le if va du coup prendre une seule instruction. Il faut être attentif quand même. Je vous montre pourquoi il faut être attentif. Eclipse a décidé de disparaître. Voilà. Donc, voilà un exemple. Vous voyez ici, je n'ai pas mis d'accolade. Hein. Donc il y a une seule instruction, du coup il n'y a pas d'accolade pour faire ça. Et si j'exécute mon code, eh bien A est égal à 5, donc A n'est pas égal à 3, donc c'est cette branche-là qui va être exécutée. Et effectivement, je me suis trompé, A est différent de 3, donc A est égal à 5, c'est cette branche-là qui va être exécutée, encore une excuse. Et voilà, sans surprise, c'est ça. Par contre, il faut être attentif parce que qu'est-ce qui est affiché quand j'exécute ce code? A vaut 5, donc A est différent de 3, donc on va exécuter le bloc. D'accord? Donc on va avoir A is not free avec les trois points d'interrogation. Bon, très bien. Si par contre je mets que A est égal à 3 et que j'exécute mon code, eh bien les trois points d'interrogation sont quand même affichés. Parce que si on ne met pas d'accolade, eh bien il n'y a qu'une seule instruction qui est prise comme bloc en réalité. Quand on écrit ce qui est maintenant à l'écran devant vous, eh bien c'est ça qui est exécuté. Okay, les accolades viennent là. Ce n'est pas les tabulations qui font les accolades. Hein. Ce n'est pas la même chose des tabulations et des accolades. Dans certains langages, c'est le cas, mais pas en Java. Donc là, en fait, vous allez avoir une surprise si vous faites ça, parce que la vraie mise en page de ce programme, c'est ça. Si vous préférez, la vraie mise en page de ce programme sans les accolades, c'est ça. Même si ici, je fais ça, ça change bien en réalité. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Alors, pour que ça fonctionne sans les accolades, on va le mettre tout le monde. Pour que ça fonctionne, mais qu'est-ce qui fonctionne sans les accolades? Ça, on arrive à faire fonctionner la fonction if sans les accolades, bien sûr. Alors oui, ça fonctionne hein, en réalité. Simplement, le problème, c'est que si on ne met pas les accolades, il n'y a que cette ligne-là qui sera conditionnelle. Toutes les lignes après ne seront pas conditionnelles. Donc en fait, ce qui va s'exécuter, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. Donc dans tous les cas, on va afficher cette ligne-là. Si on veut que la deuxième ligne soit affichée que lorsque la condition est vraie, alors il faut faire ça comme ça. Dans ce cas-là, si j'exécute mon code, eh bien, rien ne s'affiche sur la console parce qu'il n'y a rien à afficher. OK ? C'est bon pour tout le monde? Je vous propose du coup un petit exercice à l'ordinateur. Vous pouvez donc lancer Eclipse et puis réaliser les deux petits exercices qui sont là. Calculer la valeur absolue d'une variable A et l'afficher sur la console. Et le deuxième exercice, mettre dans une variable B le fait qu'une variable A soit paire ou non.
peut permettre. Ça ne peut pas commencer par un 5. Ce n'est pas un identificateur valide. Il faut écrire exo 5.1. Exo 5. Là, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des erreurs typiques qu'on vous avez. Vous l'avez oublié. J'ai gagné, quoi. Vous avez également fait gagner. Encore 2 minutes pour finir les deux. Ça doit aussi automatiquement afficher sur la console la valeur absolue de celui-ci. Si on a besoin de ça, vous avez été juste. D'accord, on a essayé de le Non, parce qu'en fait, tous les muscles, c'est là, ça change de manière dont ils utilisent les choses. Ok, merci pour vos idées. Donc, qui me propose une solution pour cette valeur absolue de A? Donc, imaginons, on est dans le cas où on a une variable A et on souhaite afficher sa valeur absolue sur la console. Alors, qui me propose une solution? Il y en a eu plusieurs possibles. Oui, monsieur Célès. On commence par définir une variable qui s'appelle comme on veut. Mm-hmm. Après, on demande de la rentrer
pour la console. Ah, vous avez fait un programme interactif. D'accord. Alors, ici, on peut ou entrer une valeur littérale comme on le souhaite pour faire nos tests. On pourrait écrire ici moins 45 ou 434 si on le souhaite. Ou alors, certains et certaines d'entre vous avaient utilisé la classe input en faisant un read à la console directement. Personnellement, à moins que ce soit demandé spécifiquement, je vous conseille de ne pas faire ça parce que du coup, vous allez perdre du temps à chaque fois. Vous devez rentrer une valeur à la main pour tester votre code s'il y a un souci. Donc, vous perdez plutôt du temps qu'autre chose. Parfois, on souhaite faire des programmes interactifs, parfois pas. En l'occurrence, ici, on ne veut pas faire un programme interactif où l'utilisateur interagit avec la console. Donc, moi, je vous invite plutôt ici à écrire un chiffre comme celui-ci, mais peu importe. En tout cas, l'idée est bonne. Et puis ensuite... Après, on met un if avec la condition 1 inférieur ou égal à 0. Oui. Dans les crochets, on renvoie systemout print moins A. Moins A. Et else print A. Ah. Et puis effectivement, là, si j'exécute le code, on va avoir 45. Si je mets moins 45 à l'intérieur, eh bien, on va avoir 45 dans tous les cas. Merci beaucoup pour cette première solution. Il y en a un très grand nombre d'autres solutions. Qui a autre chose? Oui. Oui, pardon, M. Jacques Méta. J'ai mis au carré, puis ensuite j'ai fait une racine. Vous avez mis au carré, vous avez fait une racine. Donc, vous avez écrit concrètement A est égal à java.lang.mat.sqrt. Point SQRT. SQRT, oui. Et puis A fois A, entre parenthèses A fois A. A fois A. Oui, alors il faut être attentif au fait que si on souhaite faire ça, il faut mettre A comme étant un double, parce que les méthodes mathématiques, tout ce qu'il y a dans maths, point quelque chose, ça retourne des doubles la plupart du temps. Et là ensuite vous avez affiché A comme ceci, vous avez fait la racine du nombre carré, qui effectivement donne également le nombre positif avec le double. Il y a d'autres solutions encore, qui a une autre solution? Monsieur Mono? J'ai juste déclaré une variable double valeur value pour dire valeur absolue, et j'ai dit que c'était égal à math.valeur absolue de A. Ah, vous avez fait directement un math.abs de A. Très bien. Et puis je l'ai affiché. Merci, ça c'est une autre solution. Alors il faut connaître le fait qu'il y a une méthode abs dans math, mais oui, c'est aussi une possibilité. Et puis, ben regardez, il y en a d'autres. On peut faire quelque chose comme ça. On peut utiliser l'opérateur conditionnel. Si A est plus petit ou égal à 0, alors ça vaut moins A. Autrement, pardon. Ça vaut moins A. Autrement, ça vaut A. Qui fait aussi l'affaire. Madame Zanou, vous aviez une jolie solution à nous proposer pour ça. Comment est-ce que vous avez fait? Du coup, j'ai mis aussi A supérieur égal à 0, on affiche A. Oui. Et autrement, A est égal à A moins A moins A. C'est une solution, je trouve, très jolie aussi. Et qui fait, bien entendu, également l'affaire. Hein. Oui. C'est bon? Pour tout le monde? Pour la deuxième partie, pour stocker dans une variable B, si une variable A est paire, qui a une solution à proposer? Monsieur Torrent, vous aviez quelque chose à proposer? Non. D'accord. Monsieur Mechler, vous avez quelque chose? Avec un if le nombre modulo 2 égal 0, ça détecte si c'est pair. Avec le modulo 2, alors vous avez fait ça comme ça. Pardon, il nous faut... stocker dans une variable B si A est paire, donc une variable B de type booléen, si B est paire ou non. Donc là, B sera paire, autrement, B sera impair. Ok? C'est clair pour tout le monde, ce modulo 2 égale 0. Oui? Écrivez le code permettant de stocker dans une variable B si une variable A est paire.
on stocke dans la variable B si A est pair ou non. Vous aviez autre chose en tête, monsieur Ribeiro ? Vous vouliez faire autrement ? Non, c'est juste que si la variable est pair, on peut stocker. Mais c'est pas... C'est ça que... Franchement, j'ai mis la valeur de... Du coup, si A est pair, j'ai mis la valeur dans B. Donc, c'est dans A. J'aurais écrit, pour exprimer ce que vous avez dit, j'aurais écrit « Écrivez le code permettant de stocker A dans B si A est pair. D'autres solutions que ce modulo ? Et est-ce que c'est clair pour tout le monde pourquoi on fait un modulo ? J'imagine que oui, en l'absence de réaction de votre part. Et je vous propose de faire 5 minutes de pause avant de passer à la suite.
On a vu ces switches imbriqués hein, qui étaient un peu délicats à lire. Il fallait être très attentif quand on faisait la lecture avec les blocs. Et puis, bah, on a la possibilité d'utiliser une nouvelle instruction, une autre instruction de branchement qui est le switch case. Alors, décidément. Le switch case, bah, c'est exactement le même principe que des if, mais imbriqués. Et puis, par contre, ce qu'on a, c'est que la valeur de l'expression qui est ici, ce n'est pas un booléen. Ce qu'on a là, c'est un entier ou un string. Et puis, avec ça, on va pouvoir gérer plusieurs cas de manière un peu plus régulière qu'avec tous ces if. Et puis, il y a également une valeur par défaut, c'est-à-dire que si l'expression qui est entourée ici n'est pas ni A, ni B, ni les autres cas qui sont ici, eh bien on va avoir un bloc violet qui par défaut va être exécuté. C'est le bloc qui est avec la description default en bas. Et attention, dans chacun des blocs que vous avez là, il y a une instruction break qui arrête le switch. Alors concrètement, la syntaxe qui est à gauche, vous avez un exemple concret. Donc, on a une variable x qui est égale à 2, entière. On fait un switch sur x. Et puis, du coup, ben, en fonction de la valeur qui est stockée dans la variable x, eh bien, on va exécuter ou le bleu, ou le orange, ou le violet. Dans le cas-là, on va exécuter le bloc orange. Donc, sur le diagramme syntaxique qui se trouve ici, bien, en fonction de la valeur de x, on va prendre l'un des branchements possibles. On va faire un switch entre différentes valeurs possibles. Et si aucune des valeurs qui est donnée ici ne correspond pour x, eh bien, ça va être le bloc violet qui va être exécuté. Avec un break qui est très important là, et qui sera une des erreurs typiques que vous ferez. Si on ne met pas de break, l'exécution continue en dessous. Donc, si par exemple, ici, je n'ai pas de break, bien, si x vaut 1, bien, je vais exécuter le bloc bleu, puis le bloc orange, et ensuite il y aura un break, et je vais donc arrêter. Oui. Non, il va pas avoir de test qui va être exécuté. S'il n'y a pas de break, on passe au bloc suivant. Pas comme le cas du On va faire de cas du switch si on ne met pas... Genre la 1 et la 3. La 1 et la 3, nous, on ne pourra pas. On va faire la 1 et la suivante. Et éventuellement encore la suivante. On ne va pas pouvoir changer. Parce que le contrôle ou l'évaluation de l'expression se fait qu'une seule fois au début du switch case. Donc même si on met en plus 1 dedans, ça ne va pas faire plus de sens. Oui. Oui. On a le droit de modifier la valeur de x dans les cases après. On a le droit de modifier la valeur de x dans les cases. Ça ne va pas être revu à chaque fois. Ça va être contrôlé une seule fois à ce moment-là. La valeur de x est contrôlée au moment du switch, pas après. OK ? Si on prend un exemple concret. Pardon. On voit ici. Que fait ce programme? Oui, M. Rivero? Non. Il va exécuter le chiffre qu'il a rentré sur le chiffre 2, il va exécuter le chiffre. Et puis, s'il ne va pas arrêter ça. Oui. Là, vous avez décrit en mots ce qui est décrit dans le code, mais que fait ce programme concrètement?
C'est juste hein, ce que vous avez fait. Maintenant, l'étape suivante, c'est de monter un petit peu en abstraction, en essayant de comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui. Et du coup, quelqu'un pourrait exprimer ce que fait ce programme qu'on exécute. Monsieur Dorsa, ouais. Il va nous proposer quatre livres. Oui. On va marquer ce qu'on pense en l'occurrence de la lecture Java. Oui. Et puis en fonction de quoi répondre, ben, ça va. Oui. C'est effectivement un espèce de questionnaire interactif dans lequel eh bien, on va avoir une question qui va nous être posée. Donc, si j'exécute le code, on voit ici le résultat sur la console. Le cours de Java est 1, ennuyeux, 2, je n'y ai jamais été, 3, OK, et 4, est-ce qu'on a vraiment un cours de Java? Et on choisit une des réponses, est-ce qu'on a vraiment un cours de Java? Oui, nous avons vraiment un cours de Java. C'est les bases d'un petit programme interactif de questions-réponses, par exemple. Ou les prémices d'un jeu vidéo textuel, par exemple. C'est aussi faisable. Okay? Et ça, c'est ben, tout simplement l'usage d'un switch case. Avec ici, value qui est un int, qui est lu à la console, après les différents choix qui sont proposés là-haut. Regardez, on a le println avec ici, vous avez un backslash t. Ce backslash t, ce qu'il fait, c'est afficher une tabulation dans la console. Hein. Regardez, si j'exécute à nouveau le programme, là, vous voyez, ici, tout est décalé un petit peu d'une tabulation, en fait. Donc, ce backslash t fait une tabulation, puis ensuite, on demande un choix à l'utilisateur qui est rentré ici interactivement avec input. Alors là, c'est le préfixe complet, on l'a plutôt vu comme ça jusqu'à maintenant. Puis, en fonction de la réponse, eh bien, on va faire différentes choses. Et voilà. Ça joue pour tout le monde, pardon, un peu vite. Jacques Métard, vous avez l'air soucieux? Non. Non, d'accord, pardon. OK. Alors, on peut hein, faire la même chose avec un if. Ça, c'est la même chose avec un if. C'est le même code qu'on avait vu tout à l'heure, mais écrit cette fois-ci avec des if. Alors, vous voyez, au lieu d'avoir ici un switch case, on a un if. If la valeur vaut 1, alors on fait ça. Sinon, si la valeur vaut 2, on fait le suivant. Sinon, si la valeur vaut 3, etc. Mais vous voyez, c'est plutôt long à écrire et pas facilement lisible parce que la valeur par défaut, elle se trouve ici tout au fond. La valeur par défaut, elle sert à quoi? Ben, elle sert à traiter tous les cas qu'on n'a pas traités dans les if ici ou dans le switch case qui est là. Parce que là, l'utilisateur peut rentrer un int. Il peut rentrer un int, mais dans les int, il peut rentrer moins 12 comme valeur. Donc, on doit bien faire quelque chose quand il y a moins 12 comme valeur. Et si, par exemple, je rentre moins 12, bien, ça va être wrong input qui va être affiché. Dans le switch case, on va avoir la même chose. C'est une note de valeur input, mais c'est la même. Hein. Avec un. On fera un ou deux exercices où on passe de if comme ça à switch. Pour pouvoir essayer. On va aussi bien le voir au lab. Ça va jusque-là? Parfait. Alors, on va maintenant voir les boucles qui vont nous permettre de répéter du code. La plus simple de ces boucles, c'est le while. En while, donc on a un nouveau mot-clé ici. Vous voyez qu'aujourd'hui, on en voit beaucoup de ces mots-clés. While, qui signifie tant que, en anglais, tant que. Mais tant qu'une certaine condition qui va être donnée dans une expression entre parenthèses à la suite du mot-clé while, tant que cette expression sera vraie, alors on va exécuter le bloc qui suit le while. Donc on a la syntaxe en dessous, avec x qui va être une expression booléenne. Ça doit être un booléen. Mais tant que ça, c'est vrai, on va exécuter. Si on regarde le diagramme syntaxique ici, est-ce que l'expression est vraie? Oui, alors on exécute le bleu. Est-ce que l'expression est vraie? Oui, on exécute le bleu, etc. Et dès que l'expression n'est plus vraie, alors on sort. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui va se trouver dans le bloc bleu?
si on veut que le programme termine. Ouais, une personne a une idée de... Tant que l'expression est vraie, on exécute le bloc bleu. Ouais, monsieur Coppet ? Que l'expression bleue. Alors attention, on a ici deux choses. On a une expression. Il faut que le bloc. Non, non, non. Il faut que l'expression soit fausse pour continuer plus bas, c'est vrai. Mais du coup, si on est rentré ici une fois, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait là-dedans pour qu'on puisse ressortir après? Voilà la question complète. Ouais, monsieur Boukoya. Je vois où vous voulez en venir, mais ce n'est pas une condition assez générale. Ça, c'est une possibilité de faire ce que j'ai envie que vous disiez. Oui. Oui, c'est ça que vous aviez en tête, monsieur Jacques Méta. Il faut que dans le bloc bleu, il y ait quelque chose qui ait une influence sur cette expression-là, faute de quoi on ne sortira jamais de la boucle si on y rentre une fois. Sébastien, ça va? C'est important, hein? Si là-dedans, il n'y a pas quelque chose qui va changer le résultat de l'évaluation de cette expression-là, on est bloqué là-dedans pour toujours et on a une boucle infinie. Je vous montre ça concrètement. Là, j'ai mon bloc bleu. Là, j'ai mon expression. Si j'exécute ce bloc-là, eh bien, je vais amener l'exécution suivante. Voilà, une boucle infinie. Beaucoup de joie, mais c'est une boucle infinie. La console continue à afficher du texte, hein, ici, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce programme ne peut pas s'arrêter. C'est une boucle infinie, il est bloqué. Je peux quand même l'arrêter. Hein. Je peux toujours appuyer sur le petit carré rouge qui est là, qui force l'arrêt du programme. Voilà. Donc du coup, il faut que j'agisse dans le bloc bleu sur l'expression en écrivant, par exemple, A égale false. Et du coup, combien de fois va s'exécuter la boucle? Une fois, monsieur Coppet, c'est juste, vous n'allez pas avec le doigt, une fois. Là, j'exécute mon code, il s'exécute une fois. Si on vient à ce que monsieur Boukoya disait tout à l'heure, tant que A est plus petit que, tant que I est plus petit que 10, par exemple, I plus plus. Ça? Eh bien là, dans le bloc bleu, je modifie quelque chose qui va toucher l'expression, le I en l'occurrence. Et là, je vais faire ma boucle combien de fois? Oui, 10 fois, c'est juste. Je vais afficher 10 fois youpi sur la console. Ils sont là. Ok? Si je change, 3. Voilà, je peux aussi agir dans l'autre sens. Moi, je peux agir de plein de manières là-dessus. OK? Donc, ça, c'est la boucle while. Oui? Si la condition d'entrée n'est pas valide, merci. Si la condition du while n'est pas valide, le bloc ne s'exécute pas. De toute manière, regardez, on le voit ici hein, sur le diagramme syntaxique. Si l'expression est fausse, alors c'est pas qu'elle est pas valide, c'est qu'elle est fausse. Hein. Ça ne s'exécute pas. Il existe une autre forme de cette boucle qui s'appelle le do while. Alors c'est vraiment quelque chose de différent, hein, le do while. C'est similaire mais différent. Parce que dans le do while, le bloc bleu est au moins exécuté une fois, toujours. On va donc, si on a un do while, vous voyez le bloc qui est ici correspond au bloc bleu qui est là. Ce bloc bleu est exécuté toujours une fois, puis on va évaluer l'expression qui est là, qui est aussi une expression booléenne. Notez le premier but là. Cette expression booléenne là nous dit est-ce qu'on refait une fois le bloc ou bien pas. Vous voyez, on fait le bloc, l'expression est-elle vraie? Oui, on refait le bloc.
Non, on ressort. On exécute toujours une fois le bloc bleu dans ce cas-là. Ok ? Madame Danou, ça va ? Bien. T'as vu celle aussi ? Pas de soucis. Maintenant, passons au for. Alors, c'est une des boucles les plus utilisées parce qu'elle permet de réaliser le même bloc, d'exécuter le même bloc de code un certain nombre de fois. Et puis, on utilise beaucoup cette structure. On l'a vu avec while, on peut exécuter un certain nombre de fois une boucle, mais avec le for, c'est plus explicite et puis on l'utilise énormément. Alors, comment ça fonctionne, ce for ? C'est un peu plus compliqué. On a tout d'abord le mot-clé for, puis on va avoir trois expressions séparées par des points-virgules. Alors, la première qui est là, elle va être exécutée une fois au début, cette expression-là, c'est exp1. On le voit ici en dessous, exp1. Puis, exp2, qui est une expression booléenne, va être évaluée. Ça, c'est la condition de continuation. Est-ce qu'on va continuer la boucle, oui ou non ? Alors, si exp2 est vrai, on va évaluer le bloc bleu ici, qui est donné entre les accolades, comme toujours. Puis, à la fin de l'évaluation de ce bloc, on va évaluer exp3 qui est là. Puis ensuite, on va retourner à l'évaluation de exp2. Si exp2 est vrai, on refait une fois le bloc bleu, puis on fait exp3, puis on réévalue exp2 jusqu'à ce que exp2 soit false. Ça a l'air un peu tordu et compliqué comme manière de faire, mais en réalité, c'est relativement direct comme utilisation. Voici un exemple. Oui ? Pour. Oui. Et pourquoi c'est pour ? Parce que, regardez, la plupart du temps, les boucles for vont ressembler à ça. Pour un entier i qui vaut 0, tant que i est plus petit que 5, on fait ce qu'il y a là-dedans. Et à chaque fois qu'on a fait le bloc qui était là, on fait ça, i plus plus. Donc on commence à i égale à 0, on va jusqu'à que i soit... Soit quoi ? Oui ? Ah, pardon. On va aller jusqu'à ce que, enfin, tant que i est plus petit que 5, si vous préférez, et à chaque fois, on rajoute 1 à i. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait cette boucle sur la console ? Qu'est-ce qu'elle a comme effet sur la console ? Vous avez une idée ? Mais concrètement, qu'est-ce que ça fait sur la console ? C'est juste ce que vous dites, hein ? D'accord, c'est tout à fait vrai aussi. Ça va afficher i, 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 i. Vous pensez ? Ça va écrire la lettre i ? Non. Oui, et en l'occurrence, ça va être quoi ? De 0 à 4. Ça va afficher concrètement. Sur la console, on va avoir 0, 1, 2, 3, 4 qui vont être affichés. Alors, peut-être on peut faire ça ensemble. On déclare une variable dans l'état, on va avoir une variable i qui vaut 0. Ça, c'est exp1. On l'exécute avant. Puis, on contrôle exp2. Est-ce que i est plus petit que 5 ? Est-ce que i est plus petit que 5 ? Oui. Donc, on va exécuter le bloc bleu. Le bloc bleu, c'est un ciseau de i. Donc, on va afficher i sur la console. I vaut 0. On l'affiche sur la console. On va ensuite exécuter exp3, i plus plus. Puis, on revient à exp2. Est-ce que i est plus petit que 5 ? Oui. Donc, on exécute le bloc bleu. Ciseau de i. On va afficher i sur la console. On fait i++. C'est exp3.
3. Ça vaut 2. Est-ce que 2 est plus petit que 5? Oui, affiche. On augmente de 1. 3. Est-ce que c'est plus petit que 5? Oui, donc on affiche. On rajoute 1. 4. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui, on va afficher 4. On rajoute 1. Donc voilà, i qui vaut 5. On évalue x de 2. I vaut 5. 5 n'est pas plus petit que 5. Donc, on arrête l'exécution de la boucle. OK? Vous avez une question, monsieur Guerrero? Le i++ à la fin, il le fait vraiment à la fin du bloc. Oui. Du coup, si on met plus i, ça change rien. Exact. On peut mettre i plus 1, i plus égale 1 ou i égale i plus 1. Mais on peut aussi mettre i égale i plus 2, par exemple. On fera des sauts de 2 en 2. Oui. Tu dis à la fin du bloc, mais c'est à la fin des accolades ou à la fin de la parenthèse? À la fin des accolades. Le bloc, c'est vraiment ce qui couvre de là à là. De là à là. OK. Il y a quelque chose d'un peu différent avec cette boucle, parce qu'en fait, on a quelque chose qui s'exécute en dehors du bloc bleu. Hein. Ça, ça s'exécute après le bloc bleu. Et ça, ça s'exécute avant tout le reste. Le code qui est là, c'est le code que j'ai montré lors du premier cours, à peu près. Ça, c'est ce qui permettra de faire la moyenne des nombres de 1 à 10, y compris. Il faut faire attention, souvent dans ces boucles fortes, on commence à 0, et puis on va jusqu'à la valeur qu'on veut, non compris. L'autre possibilité, c'est de commencer à 1 et d'aller jusqu'au nombre compris. Là, on fait 10 fois la boucle. Mais si on fait de 0 jusqu'à plus petit que 10, ça fait aussi 10 fois la boucle. Mais on commence à 0. Souvent, les indices commencent à 0 en programmation, pour une raison qu'on verra quand on introduira les tableaux. Donc là, ce qu'on fait dans ce code, c'est la chose suivante. On a une variable double qui s'appelle average, qui vaut 0 au début. Et puis, ben, j'ai ici, c'est ce qu'on appelle en général le compteur de boucle, la variable qui est là. Ce compteur de boucle commence à 1, puis je vais faire ça 10 fois. Je vais sommer dans average 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 jusqu'à 10 compris. Donc là, dans average, j'ai la somme des nombres de 1 à 10. Ce qui est dur, souvent, c'est de savoir ce qu'on fait avec cet indice. Là, je somme les indices de 1 à 10. Qu'est-ce qui se passe si ici, à la place de i, j'écris 1? Ouais, monsieur Dorsa a une idée. Monsieur Pasquier, vous avez une idée? Non. Qu'est-ce qui va se passer si je fais average plus égale 1 et je le fais 10 fois? J'ai pas compris, je m'excuse, j'ai pas entendu en fait. Je vais faire plus 10 fois 1. Il va faire plus 1 10 fois plutôt. Ouais, ouais, ouais. Il va faire plus 1 10 fois et on va avoir combien à la fin? 10. 10, ouais. Si je mettais average plus égal 2 fois i, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire 10 fois 2 fois i plus 1. Quoi 2 fois i plus 1? Si ici je mets 2 fois i, qu'est-ce qu'on va sommer à l'intérieur de cette boucle-là? Alors peut-être qu'on n'arrive pas à faire de tête. Peut-être qu'on n'arrive pas à faire de tête, mais ce qu'on va avoir, c'est que notre i, il va valoir, à chaque fois qu'on passe à la boucle, 1 de plus. Donc il va valoir la première fois 1, la deuxième fois 2, 3, 4, blablabla, jusqu'à 10. Du coup, on va rajouter dans average 2 fois i. Donc dans average, on va ajouter 2 plus 4, plus 6, plus 10, blablabla, jusqu'à 20. OK? C'est pas simple, hein. Ça, c'est, il faut exercer hein, cette partie-là.
Mais du coup, si j'en reviens à cet exemple qui est donné ici, donc là, je fais la somme des nombres de 1 à 10, et puis si je divise le tout à la fin par 10, bah, ça me donne la moyenne des nombres compris entre 1 et 10. Si maintenant, je veux faire la moyenne des nombres compris entre 1 et 1 million, qu'est-ce que je fais? Monsieur Quatron, vous avez une idée? On est jusqu'à 1 million. À quel endroit? Oui, mais dans... Ce sera l'expression 1, la 2, la 3. La 2. La 2, oui. Là, je remplace le 10 par 1 million. Puis là, on aura. Il faudra encore diviser ici par 1 million, effectivement. On pourrait faire ça. La moyenne. On peut aussi faire jusqu'à n. Si je peux faire la moyenne des nombres de 1 à n, eh bien, je remplace ici. Ça par n. Et voilà la moyenne des nombres de 1 à n. Ok ? Ça a l'air de rien, hein, cette structure de contrôle, hein, cette boucle. On dit, bon, ok, c'est une boucle, ça a l'air rigolo, mais voilà. En fait, c'est vraiment un des outils qui est le plus utilisé hein, quand on va programmer de manière impérative. C'est vraiment la chose qu'on va faire le plus souvent. Les personnes qui ont déjà programmé, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Donnet-Monnet, vous êtes d'accord, vous écrivez souvent des boucles. Hein. Oui. C'est vraiment un truc qui revient tout le temps parce qu'on va vouloir tout le temps répéter des choses et faire ça. Petit exercice maintenant. Avec ça. Exercice de compréhension ou de test pour voir si vous avez tout compris. Quel est l'effet de ce code sur ma console? Alors, c'est un de ces puzzlers qu'on apprécie, un petit puzzle de logique. Qu'est-ce qui va se passer sur la console, en tout cas? Toute la difficulté à garder toutes ces variables en mémoire. Vous avez déjà une idée, M. Félès? Vous envoyez la différence entre A et F. Ça va afficher la différence entre A et N. À chaque fois que on fait un tour de boucle, E il augmente de pas, et ouais, alors on ouais, alors ça, on pourrait voir ça comme ça, c'est juste, j'avais pas vu comme ça. De toute façon, les A commencent à se croire, hein. Mais oui, vous avez raison, c'est ce que ça va faire au niveau logique. Maintenant, là, la question est plus simple, c'est qu'est-ce que ça affiche sur la console d'exécution de tout le programme. Donc là, vous avez raison, mais la question est un peu plus simple que ce que vous avez donné. Oui, une question de bloc. Oui, le bloc bleu que j'ai montré tout à l'heure va de la fin de la ligne 9 à la ligne 12, y compris. Okay, c'est vraiment ce qu'il y a entre les accolades. Pardon? Non. Michel Redero? Non. Peut-être, mais qu'est-ce qui va être affiché sur la console? Ma question est c'est une question mécanique, quoi. C'est pas une question de logique. Du coup, 2, 3, 4, 5. Ça va écrire 2, 3, 4, 5. Oui, vous avez une... qui a une autre idée? Oui. 2, 3, 2. Monsieur Copper, vous avez autre chose en tête?
Allez-y, non, mais vite, alors, t'as pas. Et puis, ça donnerait 0, 1, 2, 3. Madame Zanou. Ça va que afficher les deux. Combien de deux? À l'infini. Autre chose? Bon. Merci pour toutes ces réponses. Il n'y en a qu'une qui est correcte. Monsieur Messia, vous avez une autre idée peut-être? Un 2 et un 1. Bon. Alors, vous voyez, là, ce qui est difficile de ces réponses-là, c'est que vous n'avez pas encore parfaitement en tête le modèle d'exécution de la boucle for. Il n'y en a qu'une de ces réponses qui est correcte. En réalité, ce n'est pas très important laquelle. Mais on va faire cet exercice en ce moment. Parce que on voit là plusieurs erreurs différentes. Vous avez raison, c'est possible qu'il y ait une boucle infinie avec un for. Hein, c'est possible. Ce n'est pas le cas ici. Et le cas, par contre, c'est qu'on a un état de programme, une boucle, et puis deux affichables. Alors, il faut exécuter comme une machine. On doit se mettre dans l'état d'esprit de la machine. On a un état, n vaut 5. A vaut 2. E vaut 0. Voici la boucle. On exécute ça une fois. A vaut 3. Puis, on vérifie, est-ce que A est plus petit que N plus 1? Est-ce que A est plus petit que N plus 1? Est-ce que A 3 est plus petit que 6? Oui, donc on exécute la boucle une fois. On affiche A moins 1 sur la console. A moins 1 sur la console 2. On exécute A égale A plus 1. On exécute en plus cette partie-là, E plus plus. On vérifie, est-ce que A est plus petit que N plus 1? A, c'est 4, est-ce que c'est plus petit que 6? Oui. Donc, on peut exécuter la boucle. On affiche A moins 1. 3. On fait A égale A plus 1. 5. On fait ensuite X3, le plus plus, 2. Est-ce que A est plus petit que N plus 1? Est-ce que A, 5, est plus petit que 6? Oui. Donc, on exécute le corps de la boucle. On affiche A moins 1, 4. Puis on rajoute 1 à A, 6. Puis on fait E plus plus, 3. Est-ce que A est plus petit que N plus 1? Non. On arrête l'exécution de la boucle. On retrouve ligne 13. Puis on affiche la valeur de E. Et en l'occurrence, aucune des solutions que vous aviez proposées était ce qu'il exécutait. C'est pas grave. Mais la manière de résoudre ça, moi je suis totalement incapable de faire ça sans faire ce que je viens de faire. Hein. Plus que deux variables en tête, on n'arrive pas. Surtout quand c'est fait, ça c'est pas quelque chose que vous allez retrouver dans la vraie vie, pas souvent. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait on n'a pas besoin de garder en tête toutes ces variables. On n'a qu'à faire ça. Vous êtes d'accord avec moi que cette manière de faire était assez simple. C'est systématique. Il y a de la systématique hein, dans la programmation et dans la compréhension de ce qui se passe. Okay. Donc, il suffit d'exécuter systématiquement ce qui se passe en gardant l'état et la console. Ben, comme ça, affiché sur du papier, ça va très bien et vous allez trouver la bonne réponse. Merci de toutes ces solutions qui sont variées. Juste pour le fait que ça puisse être une boucle infinie, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Si ici, dans cette expression qui est là, on ne change pas A ou on ne change pas N ou on change, mais de manière à ce que ce soit jamais vrai, jamais faux, pardon, on va continuer à exécuter cette boucle pour toujours. Hein. On peut aussi faire une boucle infinie avec un for. On peut, si on souhaite, arrêter les boucles. Alors, on a vu que ben, il y a des expressions qui nous disent est-ce que la boucle doit être exécutée ou bien pas. Si on souhaite, on peut aussi avoir une instruction particulière qui va arrêter la boucle immédiatement. C'est ce qu'on appelle un break. C'est un nouveau mot-clé qu'on a vu tout à l'heure dans le cas du switch case, mais qu'on retrouve ici dans le cas des boucles. Et le break, il va stopper la première structure de boucle qu'on rencontre vers le haut. Voici un break. En général, on les utilise avec un if, autrement, ben, autant pas mettre de boucle. Donc ici, on a une boucle. Je vous propose la lecture suivante de la boucle que je ferai moi.
on déclare i un entier qui vaut 0. Voilà une boucle infinie. Ça, c'est une boucle infinie. While true. Les gens qui ont fait du C, ils font souvent ça. Hein, vous avez déjà fait très souvent ça. Tout le temps. Si on a un microcontrôleur ou un système comme ça, on veut que ça fasse ça pour toujours. C'est Thierry Boucoya qui parlait tout à l'heure, je crois. Non, c'est qui qui parlait de... Oui, vous avez dit, on répète quelque chose plein de fois. Ben, on fait ça comme ça, c'est une boucle infinie. Et puis, dans la boucle infinie, on a une condition. Si i est plus grand que 10, ici, break. Le break va arrêter la première structure de boucle vers le haut. On remonte, paf, voilà, une boucle. Ça, c'est pas une boucle. Hein. Souvent, j'entends des gens dire, il y a une boucle if. C'est pas une boucle if. C'est une condition, d'accord? Donc là, la première fois qu'on rencontre ça, on arrête la boucle, on va se retrouver ici en dessous. La boucle est arrêtée immédiatement et on saute à l'extérieur. Donc cette boucle, ce qu'elle fait, eh bien, elle va afficher i, elle va rajouter 1 à i, puis elle va remonter ici, on va vérifier si i est plus grand que 10. Donc ça, ça va afficher 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis ça va sortir la boucle ici. Ok, oui. Oui, la boucle, elle est répétée. La boucle while, je vous rappelle, elle répète tout le bloc tant que la condition est vraie. Le bloc ici, c'est de là à là. Donc ça, c'est répété tant que la condition est vraie. Et la condition est toujours vraie, c'est true. Ok? Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'en réalité, on va exécuter tout ça. On va exécuter tout ça, puis ensuite on va remonter. Puis on va exécuter, remonter, exécuter, remonter, exécuter, remonter. À un moment donné, lorsque i sera plus grand que 10, on va se retrouver ici au break. Et le break, ce qu'il fait, c'est qu'il interrompt immédiatement la boucle dans laquelle il est, la première boucle dans laquelle il est. Et ce break, il va nous faire sauter directement là en dessous. D'accord ? Oui, monsieur Pasquier. Oui. Alors, while false, c'est une boucle qui n'est jamais exécutée. Ok ? Oui. Du coup, c'est comme quand on met un système en print plus, la valeur de i, elle reste constante de out. On sait quand on descend, c'est juste ça renvoyait dans la console la valeur de i++, mais ça ne regardait pas. Alors, si, parce que ça, le i++ modifie la valeur de i. Il ne faut pas oublier que i++ modifie la valeur de la variable i. Je pensais que ça n'a pas. Le calcul, c'est que pour renvoyer dans le... Dans la console. Dans la console. Non. Alors, attention ici. Ce que ça fait, c'est que ça affiche la valeur de i dans la console, puis ça rajoute 1 à i. I++ modifie i. On a vu le saut vers le bas. On peut aussi avoir dans une boucle l'instruction continue. Le continue, il ne va pas sortir de la boucle, mais il va revenir immédiatement à l'évaluation de la condition de la boucle. Parfois, on souhaite faire ça pour éviter, par exemple, des valeurs spéciales. Si on a une division par un i dans la boucle, et puis qu'à un moment notre i vaut 0, ben on fait un continue pour éviter une division par 0, par exemple. Et voilà, donc ça, c'est les deux possibilités de faire des sauts à l'intérieur de la boucle elle-même. On peut toujours se passer en réalité des breaks et des continues, on peut toujours écrire les boucles autrement pour ne pas avoir des breaks et des continues à l'intérieur. Et de toute manière, quand on a un break et un continue, on a très très souvent un if qui vient avec. Voici les erreurs typiques que vous allez faire, ou que vous avez déjà fait ce matin. Il n'y a pas de point virgule après un if, après un for et après un while. Ces points virgules qui sont là, vous allez les mettre et ça va être faux. Donc les if, les for et les while, il n'y a pas de point virgule. Par contre, il y a un point virgule après le do while. Quand on écrit do, blablabla, while, une expression, il y a un point virgule après l'expression. Vous ferez également cette erreur.
Autant que vous le sachiez tout de suite. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, ben, c'est comment modifier le flux séquentiel avec ben, le if, les if, les as, les switch. Comment faire des boucles avec des while, des do et des for. On a vu la théorie. Je vous propose maintenant de passer à la série numéro 3, que vous avez également la possibilité de me rendre la semaine prochaine pour le bonus. Et on va exercer tout ça, bien entendu, dans le laboratoire dès demain matin. Est-ce que vous avez des questions encore? Oui? J'ai pas bien compris le continue. Vous avez pas bien compris le continue? Oui, volontiers. Alors, le continue, c'est comme le break, mais simplement, au lieu de sauter en dehors de la boucle, on va sauter directement à l'évaluation de la condition de la boucle. Donc, si on a un continue dans notre code, on va pas exécuter ce qu'il y a après le continue. On va directement remonter à l'évaluation de la boucle. Ici, c'est une boucle while, donc on va tout de suite aller réévaluer le while. Je peux peut-être donner un exemple concret. Ben voilà un très bon exemple que je peux faire. On a ici une boucle while. Tant que i est plus petit que 3, je fais 10 divisé par i, et puis je vais rajouter 1 à i. Donc on va passer de moins 5, on va afficher 10 sur moins 5, ce qui va donner moins 2, on va rajouter 1 à i. Puis on va donc avoir i qui vaudra moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, et boum, à un moment on a 0. Si je ne fais pas attention, eh bien mon programme va planter, parce qu'une division par zéro, c'est interdit. Donc, pour faire l'exemple, regardez, j'exécute ce code-là, et puis, eh bien, les premières fois, je vais... ça ne joue pas juste pour ce cas-là, zut. J'ai des valeurs qui viennent là. Là, à un moment, j'ai infinity qui vient. Pourquoi je n'ai pas un... Ah, c'est un entier. Quoi? Un moment de solitude un peu. Non, en Java, à partir de... Moi j'ai la version de Java 16, à partir de la version de Java 16, ils ont intégré que division par zéro, ça donnait infini. Si vous avez une autre version de Java que moi, si vous faites diviser par zéro, ça va planter et vous allez avoir un gros message rouge qui va venir. Mais imaginons qu'on souhaite ne pas avoir cet infinity qui est là. On a ici la possibilité de dire, ben, si i égale à 0, continue. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas exécuter ça quand i est égal à 0, mais je vais tout de suite repasser à la condition de la boucle. Alors, il faut que je fasse quand même attention ici en faisant peut-être quand même le i++, parce que sinon, je vais me retrouver avec une boucle infinie au milieu, i++ avec mon continue qui est là. OK? Et là, du coup, bien, vous voyez, je skip, si vous voulez, un pas de la boucle. Ça marche? D'autres questions? Si tel n'est pas le cas, en tout cas, merci beaucoup. Je vous propose de distribuer les séries. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain matin. Merci. Merci.